Salut, c'est PGM et je vous souhaite les bienvenus sur mon guide Camille. Et bonjour les potos, ça y est, on y est, je vais enfin pouvoir vous présenter mon tuto Camille. Donc vous avez pu le voir, j'avais fait plusieurs tutos Camille sur mon YouTube, mais celui-là, on va essayer de le faire le mieux possible, le plus construit possible et surtout le plus clean possible. D'abord j'ai des petits trucs à vous parler, pas mal de projets qui vont arriver, donc ça va être une intro assez rapide, 2-3 minutes, hein, si jamais ça vous intéresse pas, je vous invite à skip, mais je pense que je vais vous donner des infos qui va potentiellement vous intéresser. Le lundi 6 septembre, je vais attaquer donc un rush Only Camille de bronze à diamant. On va pas aller plus loin, ça sert à rien. J'ai déjà prouvé que je suis déjà monté master avec mon champion. Tout simplement pour vous montrer, bah avec Camille, vous pouvez très bien monter. Suite au tuto qui va sortir et que vous verrez le lundi 6 à 17h, le matin même, j'aurai déjà commencé mon rush. Donc n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch. C'est là où je vous donnerai énormément d'infos. Je vais faire énormément de games éducatives pour vous expliquer le mieux possible comment je joue avec mon champion. En plus de ça, je vais faire un gros giveaway. Donc pour fêter plus ou moins cette sortie et ce rush, il va y avoir donc 50€ à gagner dans cette vidéo. Pour participer, c'est très simple, tu as juste à mettre un petit commentaire, un petit like sur la vidéo et bien sûr tu t'abonnes et tu seras éligible et je ferai le tirage au sort dans une semaine. J'ai également autre chose à vous dire, c'est que la chaîne secondaire est sortie. Je t'invite à aller la voir, elle sera en description directement juste en bas de la vidéo. Donc dans cette chaîne secondaire, ça sera que des games brutes avec plus ou moins tous les match-up possibles. Je te donne un exemple. Camille contre Furoa, Camille contre Darius, Darius contre Renekton, voilà tous ces match-up là. Je vais essayer de te les détailler, te les expliquer comme ça. Mais s'il y a un match-up que tu n'arrives pas à voir, j'espère que tu trouveras ton bonheur sur la chaîne secondaire. Alors, j'ai décidé aussi de me lancer un petit objectif perso, c'est d'atteindre les 30K abonnés sur YouTube et les 50K followers sur Twitch. On a un mois pour faire ça à partir d'aujourd'hui. Donc si tu as envie de me soutenir, passe sur ma chaîne Twitch pour lâcher ton petit follow ou abonne-toi à la chaîne YouTube. Et si vous y arrivez, je vous réserve vraiment deux grosses surprises pour chaque objectif qu'on aura atteint. Et je peux vous assurer que ça va vous faire vraiment très plaisir. Donc comme tu le sais, le rush a commencé. Je t'invite vraiment à passer sur Twitch pour voir ça. Mon objectif, tout simplement, devenir la Camille numéro 1. Et toi alors, t'es chaud aussi? Tu as envie de progresser sur Camille? Je pense que t'es bien tombé. Je t'invite à regarder ce tuto. A tout de suite. Donc dans ce tuto, tu vas avoir plusieurs aspects et tu vas avoir beaucoup de choses, même des choses que tu ne savais pas potentiellement sur le personnage. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout Camille, c'est un tuto qui va vraiment vous aider à apprendre à le connaître, à le maîtriser potentiellement. Et pour ceux qui y connaissent déjà, vous allez peut-être découvrir des choses que vous n'avez jamais faites ou autre. D'abord, qu'est-ce que je vais vous expliquer? Typiquement, ses sorts, comment ça marche, son passif, etc. Ensuite, en deuxième partie, on va parler des runes et des maîtrises. Comment build Camille, avec les stuffs également. Donc, comment utiliser les meilleures runes sur Camille, comment utiliser les meilleures maîtrises et aussi comment se stuff en fonction des games et des champions que tu vas affronter. Ensuite, on va parler des différents combos de Camille parce qu'il y a plusieurs combos que tu dois connaître. Tu n'es pas forcément obligé de les utiliser, mais je t'avoue que c'est assez stylé. On va également parler de ses forces et de ses faiblesses. Quelles sont vraiment les forces de Camille? Pourquoi ce champion est si puissant? Et à quoi tu dois faire attention ou qu'est-ce que tu dois faire si jamais tu joues contre une Camille pour pouvoir potentiellement la contrer? On va également parler des différents power spikes et pour finir, on va parler des match-ups positifs et négatifs de Camille. Après tout ça, je peux t'assurer que Camille n'aura plus aucun secret pour toi. C'est parti, on va donc découvrir les différents sorts de Camille. Son passif est vraiment pas très compliqué. Tu peux avoir donc sur les cibles ennemies un shield rouge ou un shield bleu. You take the red pill. Le shield orange est un shield physique. Plus ton ennemi t'infligera de dégâts physiques, plus ton shield ira justement vers un shield physique. Pas très compliqué. Pareil, à l'inverse, si ton ennemi t'inflige beaucoup plus de dégâts magiques, automatiquement, tu auras donc un shield magique. Ensuite, ton Q-Spell, c'est pas très compliqué. Beaucoup de gens comprennent pas trop comment ça marche, mais tu vas voir, je vais t'expliquer ça de manière très très simple. Tu as en fait deux auto-attaques qui sont plus puissantes. Donc tes auto-attaques vont infliger par exemple naturellement 92, ta prochaine avec ton Q-Spell va infliger 124, et la dernière va infliger 92 de dégâts bruts et 60. Comme tu l'as compris, la dernière inflige quasiment presque le double des dégâts. Comment ça fonctionne? La première auto-attaque que tu vas mettre avec ton Q-Spell va te permettre de gagner en mobilité. Comme tu peux le voir ici, tu as plus de vitesse de déplacement. Donc c'est une auto-attaque que tu peux utiliser avec un reset d'auto-attaque, hein, donc tu peux auto-EQ le plus rapidement possible, bien entendu. Tu as en fait deux auto-attaques qui sont plus puissantes. Donc tes auto-attaques vont infliger par exemple naturellement 92, ta prochaine avec ton Flux Spell va infliger 124. À partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 1,5 secondes pour utiliser ton Q-Spell
pour faire tout simplement des dégâts bruts en partie. Plus tu vas monter en niveau, plus ton sort va infliger de dégâts bruts jusqu'au niveau 16 où tu pourras infliger 100% de dégâts bruts avec ce sort. Ton Z est très simple, tu as plus ou moins deux cônes, le cône extérieur et le cône intérieur. Donc le cône extérieur, comme tu peux le voir, inflige 184 et le cône intérieur inflige 114. Comme tu as pu le voir, le cône extérieur inflige beaucoup plus de dégâts. Tu l'auras bien compris, il faudra utiliser au maximum le cône extérieur tout simplement pour faire des dégâts physiques supplémentaires en fonction des PV max de la cible et te soigner une partie des dégâts que tu vas infliger. Ensuite, ton E. Ton E, c'est un dash que tu peux utiliser pour potentiellement traverser les murs ou dash sur tes adversaires. Comme tu peux le voir, la portée de ton dash n'est pas très grande. Par contre, elle est doublée dès que tu vas vers un ennemi. Comme tu peux le voir, tu vois, Camille va beaucoup plus loin quand elle se dirige vers un ennemi. Donc tu peux utiliser ce sort pour escape quand tu es dans la panade, ou tu peux également infliger ce sort. Tu peux utiliser ce sort pour aller vers les ennemis et les engage. Quand tu utilises ce sort vers un ennemi, tu vas le stun pendant quelques secondes et tu vas voir ta vitesse d'attaque augmenter pendant quelques secondes. Et le R, c'est très simple. C'est tout simplement une zone, donc tu es inciblable pendant quelques secondes, donc ça te permet potentiellement d'esquiver des projectiles, des sorts ou autres, et de repousser tous les ennemis qui sont dans le R que tu vas utiliser. Si je R celui-là, ça va repousser tout le monde. Donc ça peut te donner beaucoup d'idées pour l'utilisation justement du R. Maintenant que tu as vu rapidement les sorts, je vais te montrer les runes et les maîtrises du champion avec le stuff que tu dois utiliser. Au niveau des stuffs, tu as sur Camille deux items mythiques principaux que tu vas utiliser. La Trinité ou le Pourfendeur Divin. C'est plus ou moins différent. Alors moi ce que je dis en général, pour ceux qui veulent savoir pourquoi Trinité et pourquoi Pourfendeur Divin, je leur explique en général, je leur dis. Pourfendeur Divin en général, c'est pour les trades assez courts. Et Trinité pour moi, c'est pour les trades très longs, parce que plus tu vas toi attaquer, plus ta trinité va se stack et tu vas gagner de l'AD. Cette AD sera convertie en dégâts bruts avec ton deuxième Q-spell qui sera chargé, donc ça peut être vraiment très très fort. Mais on fait quand même beaucoup plus le Pourfendeur Divin, surtout quand il y a des tanks, etc. C'est quand même très utile. Mais vu que le Pourfendeur Divin a été nerf, certaines diront qu'ils feront plus la trinité. Moi je dirais que c'est en fonction du feeling. Moi j'aime bien jouer un peu avec les deux, tout dépend de ce que tu veux faire. En deuxième item, si tu es vraiment bien dans ta game, je te conseille de faire l'hydre vorace. L'hydre vorace qui va te donner pas mal d'AD, de l'omnivamp qui est super important pour la sustain et qui va te permettre vraiment de snowball très rapidement, donc de fast push tes waves et potentiellement derrière de trade tes ennemis, de leur faire beaucoup de dégâts. Moi quand je suis dans une situation un peu où je suis derrière dans la game, où c'est une game un peu compliquée, je préfère faire l'hydro tita. Ça te donne un petit peu moins d'AD mais ça te donne plus de tankiness parce que tu as des HP, chose que tu n'as pas sur l'hydro vorace. Donc tout dépend de la situation, donc tu as bien compris hein, le stuff de Camille est très situationnel en fonction de si tu es bien, si tu n'es pas bien dans la game et en fonction de tes adversaires. En troisième item, tu peux partir sur différents choix. S'il y a beaucoup de personnages avec des dégâts magiques, l'oubou du rouleau peut-être un très bel item qui va te permettre de faire des dégâts supplémentaires, d'avoir de l'attaque speed et de l'aristas magique. Tout ce que Camille a besoin. Tu peux également faire un Stérac. Si tu vois que tu as besoin un petit peu d'être tanky, d'avoir un bon pool d'HP, le Stérac est super bien pour ça parce qu'il va te donner un gros shield qui va te permettre donc de résister pendant très longtemps et potentiellement, plus tu résistes, plus tu pourras deal des dommages. Après, en ce qui concerne le 4 et 5ème item, c'est vraiment au bon vouloir. S'il y a beaucoup d'AD critique, tu peux faire le Roundwing, tu peux faire la danse de la mort. S'il y a de la paix, tu peux faire la gueule du mal mortueux. Si tu as besoin d'anti-heal, tu peux faire cet item là. Si tu veux split, tu peux utiliser cet item là. Je l'ai jamais fait, c'est pas que je le conseille ou pas. Moi j'ai envie de dire, c'est en fonction des gens. Mais en général, le build de Camille est assez simple, c'est Trinité pour, ou pour Fender. Ensuite, tu pars sur Hydre Vorace ou Hydre Tita, un Stérac en troisième item, et après, vraiment, tu t'adaptes. Voilà, j'espère qu'en tout cas, je t'ai un petit peu aidé. Maintenant, on va aller voir les runes et les maîtrises sur le personnage. Au niveau des runes et des maîtrises, tu as pas 50 millions de choix. Je vais te proposer un premier choix, le choix qui est en général le plus joué, et je vais t'expliquer en même temps pourquoi. Donc en premier, c'est la poigne de l'immortel qui va te permettre d'infliger des dégâts magiques à l'ennemi en fonction de tes PV max et te soigner en fonction de ce montant, et qui va te permettre également de gagner en HP. Ensuite, en deuxième, tu prends le coup du bouclier. Comme tu l'as compris et que je te l'ai expliqué, Camille a un passif qui lui permet d'avoir un bouclier. Donc à partir du moment où tu vas mettre une auto-attaque et que tu vas faire proc ton bouclier, cette rune lava proc va te permettre de faire des dégâts supplémentaires et surtout de gagner en résistance. Ensuite, second souffle ou plaque d'os, tu ne joueras jamais conditionnement. Second souffle, quand tu veux faire des trades longs ou sur des persos qui peuvent potentiellement te poke. Je vais te donner un exemple, un Rumble, tu vas pas jouer plaque d'os. Un Rumble, c'est un perso qui poke, donc le second souffle va être très utile. A contrario, un René
Renekton est un perso qui peut te burst sur un très court trade ou un set, donc je te conseille de jouer Plagdos contre des Renekton ou des sets, des persos qui peuvent potentiellement te mettre de très gros dégâts sur des courts trades, et des persos à poc, je te conseille Second Souffle. Ensuite, tu vas pouvoir potentiellement jouer Inébranlable s'il y a beaucoup de contrôle en face pour pouvoir réduire ses contrôles en fonction de tes PV manquants. Tu peux également jouer avec Revitalisation qui va te permettre de gagner plus de heal, plus de shield, donc ça va tout dépendre. Donc par exemple, si tu joues Hydrovora, ça peut être intéressant pour avoir plus de sustain. Sur Croissance, ça peut se jouer aussi, c'est au bon vouloir de chacun. Moi en général, j'aime bien jouer Inébranlable. Ensuite, en deuxième rune, le Cookie pour justement passer ton early game parce que Camille a un early game plutôt difficile. Et ensuite, ma rune préférée qui est Vitesse d'approche, tout simplement, qui va te permettre, quand tu slow un ennemi, va te permettre en fait de le rattraper. Donc ce qui te permet en fait, quand tu utilises ton Z vers un ennemi, de potentiellement te déplacer plus vite vers lui pour pouvoir lui fracasser la gueule. Un exemple de petit combo, tu vas pouvoir Q-spell un sbire qui va augmenter ta mobilité, Z ton ennemi pour le slow et activer ton deuxième Q-spell chargé sur l'ennemi. Voilà, c'était un petit tips. Ensuite, tu vas partir sur deux runes d'AD pour avoir le plus d'AD possible et faire le plus de dégâts avec ton Q-spell. Donc, tu l'as bien compris, le Q-spell de Camille est super important. Et ensuite, de la mort ou de la résistance magique en fonction de ton matchup. Tu as une deuxième rune que tu peux utiliser, donc qui est la précision. Donc, tu peux jouer Conqueror pour faire des trades longs sur la durée, typiquement contre des Kayle. J'aime bien jouer ça. Tu peux jouer attaque soutenue contre des ranges que tu peux burst, ou tu peux également jouer jeu de jump sur des matchups très difficiles, typiquement Teemo. Ensuite, tu vas jouer Triomphe, tout simplement pour régén quand tu tues ou que tu as une assist sur quelqu'un. Ensuite, tu vas pouvoir jouer avec de l'attaque speed, de la sustain ou de la ténacité. Ça, c'est vraiment toi qui choisis en fonction des champions qui sont en face. Moi, j'aime bien, je joue un peu les trois en fonction vraiment des compos en face. Et ensuite, celui-là, le Baroud d'honneur. Et en deuxième rune, moi, je reste sur la même chose parce que j'adore ces runes. Voilà, je pense que les runes et les maîtrises n'ont plus de secret pour toi. Et si tu as des questions, bah, n'hésite pas à passer sur Twitter et je t'y répondrai avec grand plaisir. Je vais donc dès à présent te parler de différents combos que tu peux faire sur Camille. Le premier et le plus simple et le plus basique, c'est tout simplement l'auto Q-spell, auto Q-spell chargé. Alors c'est très simple, tu vas voir comment ça marche, hein. C'est vraiment pas compliqué, tu claques ton auto, tu claques ton Q-spell, tu reclaques une auto, et en attendant tu pourras claquer ton Q-spell chargé. Un truc important, plus tu vas avancer dans la game, plus tu vas avoir d'attaque speed, donc potentiellement, avant de claquer ton deuxième Q-spell, tu pourras peut-être claquer deux ou trois auto-attaques avant de claquer celui-ci. Ensuite, un autre combo avec Camille, celui-là c'est avec le E. Tu peux utiliser ton E de cette manière-là, tu peux E, flash et re-E pour surprendre ton adversaire. Ou tu peux utiliser ton E, ce qu'on appelle le E flashé. C'est-à-dire que tu vas E sur le mur, E en direction de ton ennemi et flasher pour pouvoir le stun et le surprendre. C'est un combo qui est plutôt facile à maîtriser. Je t'invite fortement à tester en custom. Tu vas voir, c'est vraiment très simple. Donc, je le répète, deux combos. Tu E le mur, ensuite tu flashes à travers le mur et tu re-E ensuite instantanément. Ça peut vraiment surprendre tes adversaires et je t'assure que le combo est assez stylé quand tu le fais. Ensuite, tu as un autre combo où tu peux justement cancel l'animation de ton Q-spell avec ton Z ou ton R ou même un Zhonya. C'est très simple, tu dois utiliser ton Q-spell et instantanément Z. Pourquoi ? Ça te fait gagner du temps en fait. Le cancel d'animation te permet en fait de gagner énormément de temps. Donc fais très attention, c'est pas forcément un combo super facile, mais je t'invite à t'entraîner un petit peu et tu vas voir, tu vas vite prendre le coup. Enfin, il y a des mécaniques qui sont très difficiles à faire sur Camille, mais qui sont super intéressantes. C'est tu peux auto-attaque avant de partir sur ton grappin. Donc en fonction de la distance où tu vas lancer ton grappin, tu peux claquer une auto-attaque avant de pouvoir partir. Je te donne un exemple, tu as ton Q-spell chargé, tu es sous la tour ennemie, tu peux juste lancer ton grappin, utiliser ton Q-spell chargé sur l'ennemi et pouvoir te barrer tranquillement. C'est un combo qui est quand même assez difficile à faire, mais qui est super pratique sur Camille. Et si t'es vraiment bon, tu vas pouvoir auto plus Q-spell ton ennemi avant de pouvoir partir sur ton grappin. Je t'invite à essayer, bonne chance, parce que c'est vraiment pas facile. Ensuite, comme je t'expliquais tout à l'heure, t'as le combo qui est assez basique, que tu vas beaucoup utiliser en lane, c'est le combo de Q-spell un sbire, tu t'avances sur l'ennemi avec le Z et tu le Q-spell. Tu peux faire exactement la même chose avec ton E. Tu Q-spell un sbire, tu E sur le mur et tu E-hide sur ton ennemi avec une auto-attaque et un Q-spell pour mettre le meilleur trade possible. Et si tu peux, tu utilises ton Z pour reculer de manière à sur ton ennemi pour tout simplement être safe et pour qu'il puisse pas te trade back. Alors, je vais t'expliquer comment utiliser le R de Camille de la meilleure des façons. Donc comme je t'expliquais, tu peux cancel auto donc avec ton Q-spell avant de R. Hein. Et ton R, alors comment tu vas utiliser le R avec Camille? C'est très simple, tu vas l'utiliser pour isoler une cible, pour pouvoir tout simplement la fracasser, comme des persos très squishy, comme des ADC ou autres. Et en même temps, tu vas pouvoir repousser d'autres cibles. Mais tu peux l'utiliser d'une deuxième façon. C'est-à-dire que s'il y a deux cibles côte à côte, tu peux R la cible qui est juste derrière pour amener une cible
qui est juste à côté, vers tes alliés, et je peux t'assurer que c'est très pratique et ça surprend beaucoup les ennemis. Tu peux également utiliser ton R, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, pour esquiver des projectiles, typiquement un stun de Morgana, un grab de Thresh, et je peux t'assurer que c'est très stylé. Tu peux également utiliser ton R pour follow-up des flashs. Si le mec flash et que t'arrives à le R au bon timing, tu vas pouvoir réussir à suivre son flash. C'est quand même giga cool. Bon, jusqu'à là, j'espère que tu me suis toujours et que tu t'es pas trop embrouillé dans les combos de Camille, parce qu'il y en a quand même pas mal à savoir. Après, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont beaucoup plus utiles que d'autres, mais à toi de voir un petit peu comment tu vas utiliser chacun de ces combos par rapport à ta game du mieux possible. Je vais te parler d'une autre fonction de Camille et surtout d'utilisation du Z. Il y a des petits combos à faire avec le personnage, mais ton Z, tu peux l'utiliser de plusieurs façons. Tu peux tout simplement l'utiliser de manière tout à fait normale en te déplaçant vers ton adversaire, comme je te l'ai expliqué dans les différents combos. Tu peux également utiliser ton Z avec un flash pour surprendre ton adversaire. Tu vas d'abord caster ton Z et ensuite flash. C'est toujours meilleur que flash et ensuite caster ton Z. Ça te permet potentiellement de bait un flash. Si tu utilises ton Z un peu comme un Darius qui va Q-spell, t'as l'impression qu'il va te flash in, donc ça peut te pousser et pousser l'ennemi à flash out, mais tu peux également le bait ou le faire tout simplement. Ensuite, tu peux également caster ton Z quand tu es en train d'utiliser ton E, quand tu vas vers le mur ou potentiellement quand tu es sur le mur et pour aller vers ton adversaire. Ce qui te permet, si tu l'utilises de manière le mieux possible, de toucher avec le bout de ton Z et ensuite de toucher avec ton E en même temps. Ce qui te permet d'optimiser tes dégâts et automatiquement ensuite d'enchaîner les combos avec des autos, des Q-spells et potentiellement même un R. Je vais ajouter également une chose qui est très importante au niveau du E. Comme tu as pu le remarquer, Camille peut se faire cancel son E. Mais il y a un moment très important. Camille va pouvoir se faire cancel son E à partir du moment où le grappin a touché et qu'elle se dirige vers là où elle a touché le grappin. Pas avant. Si par exemple tu décides de cesser Camille au moment qu'elle lâche le grappin qui n'a pas touché encore le mur, c'est un peu comme une Tristana. Il y a des façons de cancel qui sont un peu différentes. Camille va quand même se voir se diriger vers le mur. Alors que si tu la stops en plein milieu, tu vas pouvoir potentiellement cancel son E. Et ça, c'est super intéressant pour toi. Notamment quand tu vas jouer contre certains persos, des poupées ou quoi qui peuvent se cancel, ça va te permettre de t'aider à savoir comment utiliser ton E pour justement éviter de te faire cancel. Et si jamais un jour tu tombes sur une Camille, bah, potentiellement tu vas pouvoir la cancel beaucoup plus facilement. Alors, petit tips également que je vais vous donner, votre E peut indiquer la position des ennemis. Par exemple, quand tu vas lancer ton E sur le mur et que tu vas atterrir sur le mur, tu vas avoir une sorte d'indication et tu verras où sont positionner tes ennemis. S'il y en a 1, 2, 3, 12, ça peut être utile quand tu veux eux dans un smoke, entre guillemets, dans une zone où tu n'as pas de vision. Ça te permet de voir potentiellement le nombre d'ennemis. Il faut être assez rapide, mais ça peut être une info assez utile pour toi si tu veux potentiellement aller jusqu'au bout de ton dash ou pas. Et maintenant, on va parler du E. Comment bien utiliser le E? Vous avez plusieurs façons de l'utiliser. Premièrement, tu peux l'utiliser de manière tout à fait normale. Tu dash sur le mur et ensuite tu rodars sous ton adversaire sans forcément attendre ou autre. Ensuite, ce que tu peux faire, ce qui peut être très important en game, c'est donc utiliser ton E sur le mur et tu peux, avant de pouvoir réutiliser et réactiver la deuxième utilisation, attendre, ce qui va potentiellement bait un flash ou un potentiel mouvement de l'adversaire qui va te permettre de toucher ton E. Parce qu'avec un sidestep ou si ton ennemi décide de faire un gauche-droite ou tout simplement d'esquiver ton E, avec cette anticipation, ça va te permettre en fait d'empêcher ton adversaire d'esquiver ton E. Et ça en surprend plus d'un, et notamment au niveau de l'utilisation de son flash. Et le troisième, c'est tu te colles un mur, tu dash et tu redash instantanément sous ton adversaire, ce qui te permet en fait de le surprendre et de ne pas esquiver ton E. On va parler maintenant brièvement un petit peu des matchups. Mais pour ceux qui sont vraiment intéressés et qui veulent savoir vraiment comment jouer Camille sur certains matchups, je t'invite premièrement à venir sur Twitch, parce que je la joue très souvent et je vais surtout la jouer très 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 souvent les prochains jours qui arrivent. Je t'invite vraiment à aller voir ça pour voir un petit peu comment je joue sur certains matchups, parce que j'explique en général tout ce que je fais, mais je vais essayer de t'expliquer, de faire un rapide brief sur certains matchups, comment les jouer. Donc tu vas avoir plusieurs types de match-up. Tu vas avoir le match-up contre des ranges, tu vas avoir le match-up contre des corps à corps bruiseurs et contre des corps à corps tanky. Tu vas très 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 peu affronter de mages, donc je vais pas forcément trop en parler et trop perdre de temps sur ça. Premièrement, contre les ranges, je t'invite à jouer avec la rune donc que je t'avais dit, potentiellement qui est fleet avec un bouquet de Doran. Tu vas devoir jouer vraiment très très safe au début, utiliser le plus souvent possible ton Z pour pouvoir sustain, leur enlever des HP et potentiellement les all-in avec un E si besoin. Je t'invite en premier lieu, si ton adversaire a un dash, à t'avancer avec le combo que je t'ai expliqué, donc du Q-spell sur un sbire, tu t'avances avec ton Z et tu le Q-spell. S'il dash out, tu peux le re-engage avec ton E et ensuite le bloquer avec ton R pour pouvoir le
tuer très facilement. En plus de ça, Camille a un très bon follow-up sur les ganks, donc c'est très facile à gank une Camille si tu es contre un range, donc n'hésite pas à faire appel à ton junker pour qu'il vienne t'aider. Tu verras, ça serait très simple. Je te donne un exemple tout bête, si t'es avec un Xizao face à une Queen, c'est ce qui m'est arrivé dans une de mes games, t'as juste à te laisser push au début, à chill, avec la sustain que t'auras sur tes runes et ton stuff, et ton Xizao va venir tout seul pour pouvoir découper cette Queen jusqu'au moment où tu pourras potentiellement la tuer tout seul. Maintenant, contre les corps à corps bruiseurs, Camille a énormément de mal face aux Renekton, aux Jax, aux Fiora. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils peuvent parade, ils peuvent contrer très facilement le kit de Camille. Par exemple, Renekton peut contrer très facilement le passif de Camille, qui est une très grande force en early game, qui vous permet vraiment de tenir sur des early trades. Avec l'utilisation de son Z chargé, il vous casse le shield et vous détruit totalement, il vous add sustain, et en plus de ça, il a des stats en early qui sont nettement supérieurs à vous. Donc faites attention à Renekton, joue avec la poigne, faites des trades très courts, et essayez vraiment de le poke avec des petits Q-spells par-ci, par-là, des Z, des E-in, auto-Q-spell, et vous reculez instantanément. Faites attention au all-in, vous ne le gagnerez pas. Jax, c'est un peu la même chose, il peut parade votre Q-spell chargé avec votre E, et comme vous le savez, votre Q-spell est votre principale source de dégâts, donc faites très attention à ça. Idem, une fois que le Jax n'a plus de E, vous pouvez potentiellement le trade, mais il est vraiment très fort sur la durée, et il est bien plus fort que vous sur des longs trades, donc automatiquement, la poigne sera votre meilleur ami. Pareil pour les Fiora, elle peut parade votre R, elle peut parade votre E, donc attention à ça. Par contre, vous pouvez esquiver sa parade, si par exemple, je donne un exemple, tu l'as E-in, si tu R instantanément sur sa parade, tu vas esquiver le stun de la parade sur ton E, et potentiellement, tu vas peut-être pouvoir gagner les trades. Par contre, au niveau des tanks, c'est assez facile, étant donné que tu fais des dégâts bruts, tu peux les battre sur des longs trades avec un Conqueror, ou si tu as envie de jouer sur de courts trades, comme par exemple moi, j'aime bien faire contre des Sion ou des Horn, j'aime bien jouer poigne, pour juste proc mon Q-spell chargé avec ma poigne et mon coup du bouclier, ça peut être vraiment super intéressant. Donc tu l'as bien compris, Camille a énormément de forces et des faiblesses. Sa force et sa plus grande force, c'est vraiment le passif, qui d'ailleurs, j'en parle, va être nerf, mais j'estime que c'est un nerf, mais qui n'est pas non plus ultra conséquent, tu vas devoir juste être un petit peu plus patient, mais ça fait toujours mal, c'est toujours un nerf. Ça plus le Z qui a été augmenté de 2 secondes il y a quelques patchs, Camille reste quand même un très bon laner, une très bonne laneuse. Donc voilà, attention à ça, profite vraiment de ton passif, profite de la sustain de ton Z, c'est vraiment le plus important. Tu dois jouer vraiment beaucoup avec ton Z en early game. En late game, ça sert pas à grand chose, mis à part un peu à slow, mais c'est vraiment pour l'early game. Et surtout, juste joue sur les dégâts bruts de ton Q-spell et essaye de faire en early game les trades les plus courts possible. Ça, c'est la grande force de Camille. Sa faiblesse, c'est que c'est assez fragile en début de game. Surtout en plus, si tu joues sans flash, que tu joues comme moi Ignite TP, tu risques d'être vraiment la cible des jungles adverses. Donc fais très attention à ça. Joue aggro, mais essaye de prendre en compte les risques que tu risques d'encourir si tu t'avances beaucoup trop sur la map. D'autres faiblesses pour Camille, c'est donc aussi la possibilité de pouvoir cancel son E, notamment avec un Z de Poppy, un pilar de Trundle. Donc tu peux vraiment être une cible facile. Tu as très peu de stats au début en termes d'HP et tu as quand même assez peu de dégâts en early game sur des trades qui sont assez longs. Ton plus gros power spike et ta plus grande force, ça sera vraiment sur ta brillance. Donc essaye de profiter vraiment quand tu as ta brillance, essaye de faire en sorte d'avoir les golds nécessaires dès que tu as les 700 golds dès l'early game. Tu dois absolument battre pour ta brillance parce que ça sera un de tes plus gros power spike en early game, et c'est ce qui va te permettre de pouvoir passer de l'early au mid et du mid au late, parce que comme tu le sais, Camille est très puissant en mid late game. Et une fois que tu as ton profondeur, les tanks ne seront plus aucun problème pour toi, donc tu vas pouvoir vraiment profiter de ça et vraiment les détruire. Pourquoi? Parce que le profondeur va te permettre de faire énormément de dégâts, couplé donc à ton spell chargé, énormément de dégâts bruts sur des tanks, donc des gros sacs à PV, et en plus de ça, pouvoir sustain sur la durée grâce au proc du profondeur et également à ton Z. La grande force de Camille est également sa mobilité et son split push. Camille est un personnage très puissant en 1v1 et donc notamment en split push. Tu seras en général en 1v1 ou en 1v2. Camille est également très puissante au niveau des objectifs. Elle fait les objectifs très vite, notamment grâce à son Q-spell et au proc de bruyance qui vont proc sur les tours ou sur les monstres. En teamfight, c'est tout de suite un petit peu plus difficile parce qu'une fois que t'es dedans, tu peux plus t'en sortir. Donc essaye de jouer vraiment avec ton R et au niveau de ton shield, tes dégâts, pour essayer de t'en sortir du mieux que tu peux. Fais très attention, les teamfights avec Camille, c'est compliqué à prendre en main. Donc je t'invite vraiment à poncer le champion si tu veux faire des teamfights de la meilleure des façons possibles. Donc je pense qu'on a fait le tour vraiment sur les choses les plus importantes à savoir sur Camille. Si jamais tu as des questions, si jamais il manque des choses, ben n'hésite pas à venir me voir en live pour me les demander. Je t'y répondrai avec plaisir. C'était Péjou, j'espère que vous avez kiffé ce kit Camille et je vous dis à très bientôt.